Hey, salut tout le monde, c'est Chucky, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Ultra Lune. La dernière fois, on avait affronté Guzma qui overcheatait, on avait affronté Elzamina qui n'était pas si cheaté que ça, et bon, du coup, bon, déjà ça a amélioré nos Pokémon, on est content, ils sont niveau 47, voilà, ils sont pas si ouf que ça, mais ça va, ça va, ça va. Et maintenant, il faut aller voir... Ah oui, et Elzamina s'est fait téléporter... Enfin, est rentré dans l'ultra dimension, dans une ultra brèche. Et bah, du coup, il y a Lily qui veut nous parler. Que va-t-elle nous dire? Waouh, ses jambes! Lily, est-ce bien toi? Lily, deviens ma waifu de Pokémon. Oh, on m'envoie des messages. Je bouge la tête, je ne sais pas pourquoi. J'ai acheté ces habits à Malier. Alors, j'ai l'air de quoi? Joker. Le pire mec. Oh, Joker. Oh, c'est top, c'est top. Waifu. Oh, tu trouves? Je suis vraiment contente que ça te plaise, Alex. Cette fois, pas question de reculer. Je dois sauver Doudou et Mère. Alex, je veux devenir comme toi. Être capable de relever n'importe quel défi sans hésiter. Fini la fille timide et craintive. Nouvelle Lily sera une battante. Regarde, j'ai même inventé ma pose de victoire. Ouais, c'est tellement nul. Ouais, c'est une attaque Z, c'est super. Ah non, elle est pas gênée. Ah, c'est donc là que tu étais. Tiens, j'ai trouvé ça dans les affaires de notre mère. C'est la flûte du soleil. C'est une très vieille relique transmise depuis de nombreuses générations à Alola. Les anciens avaient coutume d'en jouer face au soleil. La légende raconte que jouer ensemble la flûte du soleil et la flûte de la lune aurait le pouvoir d'invoquer le Pokémon légendaire. Et ça rejoint ce que les types de l'Ultra Commando avaient dit. Avec le Pokémon légendaire, on pourrait se rendre dans la dimension de Necrozma. Tiens, c'est pour toi. Master Ball, ouais. C'est une Master Ball. Avec ça, tu peux attraper n'importe quel Pokémon à coup sûr. Je te la donne. En échange, promets-moi d'aider ma famille du mieux que tu peux. Et toi, Gladio, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai encore quelques affaires à régler au Paradis Ever. Quelle ironie. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille avec mon fidèle type 0. J'ai échoué, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je n'ai pas dit mon premier mot. Je protégerai la fondation de ma mère. Ok. Non, pas lui! Dégage! Jette-toi par-dessus bord! Dégage de là! Oh. Oh, mais Lily, c'est bien toi? Bon, par contre, t'arrêtes d'essayer de draguer Lily, hein. Tilly, ce sera pas... Non, arrête. Oui, je suis prête à passer aux choses sérieuses. Trop bien, moi aussi! Shut up, Tilly. Je sais ce que vous dites. À chaque fois, c'est Alex et son équipe qui le sortent du pétrin. Et c'est vrai que j'étais un peu un amateur jusqu'à maintenant, mais c'est fini. Ça rigole plus, c'est moi qui vous le dis. J'ai compris un truc super important en regardant Lily et Cosmog. C'est qu'on peut déplacer des montagnes quand on est vraiment proche de ces Pokémon. Alors moi aussi, je vais faire de mon mieux pour les aider. Mon équipe et moi, on va tout donner. Eh bien, ce que je vois, nos histoires de famille t'ont vraiment motivé. Désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Non, non, c'est parce que je suis débile que je suis ici. Bah, pas de quoi t'excuser, c'est mon choix. Et il était temps que je grandisse un peu. N'empêche, elle est gentille, Elzamina. Qui est débile? Elle a fait tout ça pour sauver Alola, en fait. Certes, mais elle pense détenir la vérité absolue. Elle a toujours eu ce côté égocentrique. Mais peut-on vraiment la blâmer? Elle voulait retrouver Père, disparu dans une brèche, dans une ultra-brèche. Tilly, merci du fond du cœur, je suis vraiment heureuse de t'entendre dire ça. Je vais au moins vous mener jusqu'à la prochaine île Pony. Je vous attends à l'embarcadère. Ouais! Alex, prêt à passer aux choses sérieuses? Apparemment.
Tu parles... quel changement? Tu parles de Lily? Oh oui, elle a l'air débordée d'énergie. Moi, j'utilise pas les trucs de Motisma, mais bon, let's go, on va faire... Prenons... Mais oui, j'ai bien compris, Motisma! Arrête de me parler! Ouais, espèce de débile... Espèce de débile, Motisma, mieux... Faut que je prenne mon stylet pour te toucher les yeux? Ça y est, c'est l'heure du boss, petit bestia Motisma, go go! Ouais, c'est bien... Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, le pouvoir des Motis Mora, deux Motis soutien. Les Motis soutien augmentent toutes les stats de tes Pokémon au combat. Bien. Ça, c'est bien. Bon, et du coup, on peut pas part... Ah. On peut... Enfin, non, je vais pas pouvoir m'envoler. Tiens, si, je vais pouvoir m'envoler. Je ne sais pas où, mais on va pouvoir s'envoler quelque part au Paradis Ever. J'espère à l'entrée. Ce groupe, ça va me mettre juste ici, en fait. Ça va me mettre au même endroit. What the fuck? On est où là? Je suis où les gars? Je pense que... Ah oui. Ok, on se retrouve à l'embarcadère. Descendons. À quelle est la... je suis trompé d'étage. J'ai appuyé trop rapidement. Non, c'est pas ici que je voulais aller. À quel étage désirez-vous aller? Je veux aller à l'embarcadère, au moins un. Voilà. Et du coup, on va aller à Pony. J'ai pas de Pokémon, j'ai plus de Pokémon à capturer. Je pense que ça va être mon équipe définitive, sauf si durant mes échanges miracles, j'ai du nouveau. Mais normalement, voilà, je vais pas changer d'équipe. C'est bien par ici, hein. Puisqu'on était rentré par là-bas. Oh. J'ai vu un bateau et je pense qu'il fallait aller là-bas. Ouais, puisque la première fois, on s'était infiltré par ici. Mais ce n'était pas le cas, apparemment. Enfin, c'est pas le cas pour repartir. Mais j'ai vu un bateau assez moche. Un petit peu trop coloré, à mon goût. What the fuck? Quel est ce bateau rose, là? T'es prêt à partir? Oui. Ouais, je suis prêt. Alors, on y va. Oh, les cœurs, Alex, allons-y! Oui, oh... Du coup, Pony, la quatrième île. Celle que nous n'avons jamais... Ouais, non, on n'y a jamais été pour l'instant. Pour l'instant, dans Pokémon Ultra Lune. La dernière île, bref. Oh! Village flottant. Ah, Tritosaur. Super. Ouais, des nanas... Une nana en maillot de bain. Mais c'est bien, ça. Pony. L'île est presque pas habitée. Tout est envahi par la végétation. Un conseil. Allez voir le doyen du coin. Le doyen doit, entre autres, protéger l'hôtel dédié aux Pokémon légendaires. Avec un peu de chance, il pourra vous renseigner. Gladio, mon frère. Mon frère. Merci pour tout. Je suis heureuse d'avoir appris les raisons de ton départ. Maintenant, je sais que tu essaies d'aider père et mère. Mais tu aurais pu me le dire avant, non? Désolé. Je voulais qu'on devienne fort avec Type 0. Je ne pensais qu'à ça. C'était mon obsession. Je te laisse te charger du reste. Alex, ne te fais pas de soucis pour moi. Je sais ce que j'ai à faire. Et puis, c'est étrange, mais je n'ai pas peur. Je suis même plutôt excité. Ah. Intéressant. Ça, c'est bon à savoir. Youpi, Eloa, Pokédex. Du coup, faut que j'aille où? Oui, lui parler. Corayon! Ah, je suis contente. Oh, bienvenue à Pony! Ah, par contre, ça c'est nouveau. Normalement, la voix... Hiiii! Quittez toi là! Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Oléa. Je suis capitaine à mes heures perdues, mais mon truc, c'est plutôt la peinture. Capitaine Oléa, enchanté. Bon alors, c'est toi qui viens passer l'épreuve? Non, il y a méprise. C'est mon ami Alex, c'est lui qui fait le tour des îles. Mais avant cela, nous voudrions rencontrer le doyen. Le doyen? Il n'y en a pas en ce moment. Demandez à Polly, on ne sait jamais.
Oh, Polly et Tzi, merci beaucoup, capitaine. Alex, nous allons revoir Polly et Bourinos. Oui, on va aller voir Polly, hein. Promenons-nous à Pony à la recherche de Polly. Ah oui, il faut aller là-bas. J'ai vu qu'il y avait. Mes Pokémon sont en bonne santé, non? J'imagine. En fait, je vais au centre Pokémon par réflexe, mais en vrai, normalement, j'ai pas besoin. Ok, il faudrait peut-être que je rachète des. Non, on va rien racheter. Je ferai ça en off. Au niveau objet, je pense qu'on est encore bon. Ce jeu est beau quand même. J'adore l'univers de ce jeu. Nintendo sont très forts toujours pour ce genre de choses. C'est parti, Alex. Ne t'en fais pas pour moi. J'ai mes max repousses comme d'habitude. Et puis, tu es avec moi. Je n'ai rien à craindre. Alors, on va pouvoir affronter plein de dresseurs. Yo! Non, toi, tu t'en fous. On s'en fout de toi. Toi, on s'en fout de toi. Ah! Toi, non. Pourquoi j'ai fait le passe-dresseur? Je m'en fous du passe-dresseur. Pourquoi je suis sur cette page là? Pokédex, Pokémon, je veux dire. On met qui en premier? Loup-Garrock, comme d'habitude. Puisque c'est celui qui a le moins bon niveau. Et ça va être le premier à mourir. À être KO. Le vrai pouvoir de la Force Z réside dans la confiance qui existe entre un dresseur et ses Pokémon en garde. Me dites pas qu'elle a. Un bracelet Z celle-là. Oh là, un bracelet Z. Fuck. Hilda la top dresseuse. Miasmax. Oula. C'est quoi ça? Je me souviens plus de son type à cette chose là. Bon, ça doit être. Allez, Mania. Ça doit être poison. Juste poison. Abri. Ah, super ça. Il veut se protéger, utilise Mania, mais cela échoue puisqu'il a utilisé Abri. Attaque, Mania. On réutilise Mania. Allez, tu le mets KO, ce gros. Oh, armure rouillée. Le Miasmax, la défense de Miasmax, c'est une baisse. Mais sa vitesse augmente beaucoup. Des tricanons, il évite l'attaque. Il utilise. Oh, il utilise Abri. Du coup, ça évite d'attaquer et il se retrouve encore à ne pas avoir de confusion. Éboulement. Des tricanons. Ok, il a encore pris cher, comme d'habitude. Ce n'est pas très efficace. Oh, ce n'est pas très efficace, hein, bien sûr. Ok. C'est bon, le Miasmax est KO. Ensuite, 1458. Prédastérie. Ah, Prédastérie. Changer de Pokémon. Prédastérie, c'est quoi? Ça me dit quelque chose, mais c'est bien celui-ci. Il faudrait quoi? Il faudrait Oratoria. Il faudrait Oratoria. Je vais faire une araignée de l'écume. C'est un Pokémon Volrush, non? Prédastérie. Si je me trompe pas, hein, si je. Ah oui, non, 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 je. J'ai confondu avec un autre Pokémon. Bon! Et ça, c'est quoi ça? Ça doit être au poison ou juste au? Je n'en sais rien. Mégaphone. On va tenter Mégaphone, hein. Ouais, Prélastérie, ça prend pas beaucoup de dégâts. Oh là 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 là, attaque Z! Il va faire quoi là? Déploie toute sa puissance à force Z. Déluge Constitoxique. Ah. Attaque Z, petit poison. Oratoria a réussi à survivre. Oratoria a réussi à survivre. On va mettre Métalos. On va mettre Métalos. Je pense qu'avec lui, on aura plus de chance. Ouais. Je vous jure. Direct toxique. Ça n'affecte pas Métalos. Eh oui, c'est coup de boule. One shot-le. Tu le one shot. Coup de boule. Ok. C'est bien.
Bien joué, Métallos. Oh oui, il passe bientôt niveau 48. Tu as réussi à surpasser mon désir de vaincre. Chapeau, c'est bien la preuve que tu mérites cette victoire. Allez, du coup, on va avancer. Moi, je vais affronter tout le monde. Oh, une plage! Mais en fait, je m'en fous. Il y a une plage ici. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, mais il y avait... Je viens d'acheter une CT, j'ai trop envie de l'essayer! Allons-y. Ah, 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 ah. Ok. Est-ce que lui, il a un bracelet Z? Je crois... Non, 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 il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tropius. Vol plante. Vol plante avec le Garrok, on peut faire des... Ah, mais il est plante, hein. Si je le one-shot pas, ça va être compliqué. On va mettre Malamandre. On va mettre Malamandre. Comme ça, si... à mon avis, il va me faire une attaque plante. Avec l'intelligence artificielle. Et avec Malamandre, voilà, c'est... Lance-soleil, il absorbe la lumière. Ça pourrait être fatal. Choc venin. Choc venin, ça va pas être ouf. Lance-flamme. Lance-flamme, tu one-shot avec ça, non? Presque. Il utilise lance-soleil. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts. Oh, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, il doit être bien deg. Lance-flamme encore. Voilà, là il est KO. Là, on préfère ça. Tropius, 1380, 1414, et tout le monde, Métallos monte niveau 48, bien. Junko monte niveau 54. Fragile Lady. On va garder Malamandre. Il a dû acheter Lance-Soleil, ça doit être pour ça. Ça doit être ça qu'il a dû acheter. J'aime bien Choc-Venin. Choc-Venin. Je vais peut-être pas le one-shot, mais voilà, je vais utiliser Choc-Venin, parce que j'aime bien. Ouais. Bon, pas très efficace. Ouais, non, non, à mon avis, il a dû acheter leur soleil, puisque il a l'air de vouloir forcer un petit peu avec. Rebondi-feu. Pour le terminer. Hop. Voilà. Super efficace. 1508, Malamandre passe au niveau 48. Voilà, contre les dresseurs standards, on gère un petit peu mieux. Mais par contre, pour les sortes de boss, on va dire... pas plus compliqué, hein, toute cette histoire. Si seulement j'avais eu Zenith, j'aurais pu utiliser Lance-Soleil au premier tour et j'aurais gagné. Ouais. Ouais. Oh, je crois que ça doit être une équipe, ça. Ça doit être une équipe. Je suis l'ours Loup-Garrok. Eux aussi, ça va être une bonne équipe contre eux. Yo! Ah! La danse peut se marier à merveille avec le karaté, et on va te le prouver! Permets-moi de danser pour remercier la nature de nous avoir offert ses bas. Ses bas. Ouais? Rémi, Joséphine, les fans de Capoeira veulent se battre! Ah, Kung Fuin et Kung Fuin. Fuck, qu'est-ce que c'est que ces choses? Ça, c'est les Pokémon de génération auxquels je n'ai pas joué. Et j'ai pris les deux pires Pokémon pour... Bon, on va faire éboulement sur les deux. Voilà. Et centrifugifle. Sur les trois. Loup-Garrok va mourir. Va mourir. Va être KO. Excusez-moi. Je suis trop habitué. Voilà. Des jeux lugubres. C'est pas très efficace. Oh oh. Bon, de toute façon, Loup-Garrok est KO, donc on peut faire centrifugifle. On peut faire centrifugifle. Bam. Pas très efficace aussi. Et le pied voltige. Ouh. Ok. Ok, ok, Métallos, viens ici, viens à moi. Viens à moi, Métallos. Fais-lui un petit coup de boule, je ne sais pas. Petit coup de boule sur celui qui est là. Ah, c'est super efficace sur l'ours, oui. Faisons ça. Et... Quoi? Pourquoi je ne peux pas faire...
Pourquoi je pouvais pas faire mania sur lui? Et Kung Fuin. D'ailleurs, je vais plutôt utiliser marteau point. Marteau point sur Kung Fuin là. Kung Fuin. Ouais, coup de main. Coup de main, ouais. Au moins, ça. J'ai jamais compris à quoi ça servait, si jamais quelqu'un peut me le dire. Mais depuis que je joue à Ruby Saphir et tout ça, je l'ai jamais compris. Oh, je suis malheureux. 900. Ouais. 600. En plus, ça rapporte 0 XP. Demi-tour. Ok. Marteau. Oh, il a évité l'attaque. Sérieusement? Petit coup de boule. Kung Fuin. Marteau point. Kung Fuin. Oh, non? No way! Non! Oh, plus que 2 PV. Il ne lui restait plus que 2 PV. Et Kung Fuin est KO. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais, c'était super comme combat. Ils m'ont mis tellement cher. Si seulement j'avais pas oublié la danse de la victoire. Oh, tu m'as envoyé valser! Ouais, je vous ai envoyé valser. Je soignerai mes Pokémon en off. Là, on a encore 10 minutes. Avec ce que j'ai sous la main comme Pokémon, je pense qu'on est plutôt bien. On va mettre Malamandre en premier. J'ai vu l'objet. Oh, un super bonbon. Bien. C'est bien, ça. Il n'y a rien derrière. Si on repasse là... Alors, est-ce qu'il y a des objets? Est-ce qu'il y a des dresseurs, des objets des dresseurs? On va utiliser... Bien sûr, ce n'est pas ici. Poule reçoit. Non. Les repousses. Repousses. Ah mais non, les repousses, je les ai mis ici. Super repousse, utilisé. C'est vrai que je les avais mis dans mes favoris, dans le fourre-tout. Alors, est-ce qu'il y a des dresseurs? Ouais. Alors, est-ce que toi, t'as un bracelet Z? J'appelle mon Pokémon Arsène, parce que c'est un vrai arsenal de capacités ambulant. Enfin, je dis ça, mais il ne peut pas reconnaître... il ne peut reconnaître que 4 maximum. Ouais. Il n'a pas de bracelet Z non plus. En tout cas, il y a 3 Pokémon. Grumble. Grumble. Avec Malamandre... Intimidation. Bon, il baisse mon attaque, ça, on s'en fout. Attaque, on va faire choc venin. Essayer de l'empoisonner. Dès le départ, comme ça. C'est vrai qu'il est de type fée. Gros feu sur Malamandre, ça c'est bien joué ça. Ça c'est vraiment bien joué. Rebondit feu. Pour terminer ses 2 PV. Voilà. Malamandre a gagné 1321. Un Sharpedo. On va changer. On va mettre Junko. Changer. Ouais, bon, puisque bon, le Sharpedo. Contre un Malamandre. Je sais bien que je m'y connais pas énormément en Pokémon, mais. Bon, je sais qu'il faudrait éviter, quoi. Lamefeuille. C'est dommage que mon Junko n'a pas genre. J'ai pratiquement que des attaques physiques. Mais il se débrouille bien avec les attaques physiques. Alors que son attaque physique, justement, est pas très haute par rapport à son attaque spéciale. Oratoria monte au niveau 49. Et elle va prendre séduction. Non, tu ne séduis personne, Oratoria. Tu restes comme ça. Pharamp. J'ai pas de Pokémon de type sol. On va mettre Metalos. On va mettre Metalos pour ce combat-là. Quoique, j'aurais même pu garder Junko. Comme ça, ses attaques électriques faisaient pas grand-chose. Pharamp. J'aime bien Pharamp. Allez, on va faire la force Z, point, mais la vrille maximum. Est-ce que la vrille maximum va pouvoir faire pas mal de dégâts? Metalos déploie sa force Z comme une aura. Et il déploie toute la puissance de sa force Z, vrille maximum. Je sais pas si...
C'est pas très efficace, je crois. Mais ça lui a, ça a fait le taf. Coup de jus. Bon, il l'a paralysé. Petit coup de boule. What the fuck? Dracourage. Dragouchoc, je veux dire. Wow. Full insane, Faramp, là. Petit coup de boule. Rayon gemme. Ah oui, d'accord. Non, mais il a des attaques quand même. Mais il est paralysé. T'es sérieux? Mais t'es sérieux? Métallos. Rayon gemme. Ouais, heureusement que tout ça ne fait pas énormément de dégâts. 20 dégâts. Mais what the fuck? Mais tu vas attaquer Métallos. Portel. Pokémon. Junko. Mes Pokémon sont tellement dans le mal. Ils sont tellement dans le mal. Allez, Junko. J'ai dit qu'il avait quoi? Une attaque de type dragon, une attaque de... Ouais, attaque dragon. Ça peut faire du dégât. Très stylé, cette attaque. Bon, ça va. Lame feuille. Ça passe. Ça va. Bon, je vais quand même mettre des potions hein, pour soigner mes Pokémon qui sont pas KO, déjà. Métallos monte au niveau 49. Le reste de l'équipe gagne. Chelours monte niveau 48. Grand Bull, Charpedo, Faramp. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais... Quoique, il nous reste 4 minutes, donc un ou deux combats. Oui, non, ils sont tous dans le mal. Ils sont vraiment tous dans le mal. Je vais mettre quelques soins. Sac. Hop. C'est ici. On va remonter tout en haut. Et on va utiliser les potions. Tiens, on va utiliser les potions sur, par exemple, Chelours. Tiens. Voilà. Comme ça, ça vide un petit peu notre sac. Voilà, voilà. Comme ça, on n'aura plus des trucs du genre qui traînent. Super potion utilisée. Toujours sur Chelours. Voilà. Et une... pas sur Métallos. Une sur Junko, voilà. Voilà, j'ai 3 Pokémon qui sont presque full life. Le temps de terminer cet épisode. Pokémon. Chelours en premier. Chelours en premier. Hop. Une Pokéball. Potion max. Alors, si on va là-bas, est-ce qu'on va croiser des collègues... Des collègues dresseurs? Pas du tout. Il n'y avait pas beaucoup de dresseurs ici. Hein. Pire nuit. Ici, et ici, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ici, il n'y a rien. Ici, personne. Ah, si, un cuisinier. Monsieur, j'ai faim. J'en ai assez de ramasser des baies avec mes Pokémon. Viens par ici, on va te cuisiner. C'est un cuisinier, donc il va me cuisiner. Oh. Ah, l'humour de Pokémon. Ah, j'adore. 9-9. C'est super, c'est quoi ça? C'est psy, plante, je crois. Non, il gagne le petit psy quand il évolue en Otuko. Ou alors il n'y a pas du tout de type psy. On va faire mania. On va être sûr au moins avec mania. Voilà, presque one shot. Don naturel, cela échoue. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Ah oui, d'accord, il a des restes. Mania. Mmh. 518, le reste de votre équipe gagne les XP. Junko monte au niveau 55, full insane le Junko. Rubombelle, oh ça sent le Pokémon insecte ça. Ça sent le Pokémon insecte, non? Malamandre, est-ce que tu vas faire le taf contre Rubombelle? Oui, c'est le Pokémon insecte fait ça. Lance-flamme. Non, c'est un petit one-shot, lui. C'est bon. On rigole pas avec ça. Voilà, c'est super efficace. Et il est KO. Voilà, bon, on va gagner 1290. Bien. Et on a battu Mario, le cuisinier. Oh, ça va, du calme. 1760. J'ai envie d'en refaire un. D'en refaire un avant la fin. Ah, quoique, non, pas sur une nouvelle zone. On ira après.
Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si c'était pas fait. On reçoit un... Allo, c'est moi, Raphaël Chen, ta collection d'emblèmes des dominants s'agrandit à vue d'œil. C'est bien, retrouve-moi à la plage de l'Ovalet, j'ai une bricole à te donner. Et on verra ça une prochaine fois. Allez, sur ce, je vous dis à tout le monde à la prochaine. Bye. Show me.